Alors, dans la thérapie interpersonnelle, on procède comment? On procède simplement sur le travail sur les dysfonctionnements interpersonnels. Et on pose des questions, on pose en permanence des questions sur les liens entre les symptômes dépressifs et les difficultés interpersonnelles. Donc, on est toujours sur ici et maintenant. On ne va pas questionner sur les relations passées, et ainsi de suite. Et on travaille ensuite sur un des quatre domaines de dysfonctionnement interpersonnel. Soit un deuil réel non résolu, soit des conflits interpersonnels, soit des transitions de rôle, soit un déficit ou un isolement. Au début de la thérapie interpersonnelle, il va falloir faire en fait une formalisation dite interpersonnelle et choisir un seul domaine de travail. Donc il y a trois phases dans la thérapie interpersonnelle. Il y a une phase initiale avec la formalisation du domaine, mais c'est une phase qui est très lourde, où il y a plein de tâches à accomplir, et alors que le patient n'est pas bien et au plus mal en général, puisqu'il vient consulter. Ensuite, on a une phase intermédiaire de travail, où on va s'articuler sur le domaine particulier et on va utiliser tous les outils à notre disposition avant d'attaquer la phase de terminaison et de conclusion de la thérapie. Je vous donne un exemple d'un cycle d'une thérapie interpersonnelle en 12 séances. Vous avez trois premières séances qui sont la phase initiale, où vous verrez, il y a énormément de tâches à accomplir. Et puis ensuite, on doit prendre un des quatre chemins. Et on n'en prend qu'un seul. Si on choisit le deuil, on n'ira pas vers un autre chemin. Si on choisit la transition de rôle, on reste dans la transition de rôle. Si on choisit le conflit, on reste dans le conflit. Si on choisit le déficit, on reste dans le déficit. Avant de conclure en trois séances dans le cadre d'une thérapie interpersonnelle en 12 séances. Alors, les keynotes de la thérapie interpersonnelle sont très très simples, il faut les retenir vite fait, bien fait, mais c'est premièrement la clarification et l'expression des affects et des émotions, centrées toujours sur les relations interpersonnelles. La deuxième keynote, c'est l'interrogation socratique. C'est une permanence de la thérapie interpersonnelle. Le thérapeute ne propose aucune solution. Le thérapeute doit poser des questions pour avoir un dévoilement de la dépression et pour faire prendre conscience de la dépression. De bonnes questions, à ce moment-là, c'est faire prendre conscience et faire accepter la dépression et l'idée d'un changement. De très bonnes questions, c'est pour engager, bien évidemment, le patient dans le changement et dans la modification d'un certain nombre de choses. Vous avez aussi le droit de poser d'excellentes questions, bien sûr. Et dans la thérapie interpersonnelle, c'est toujours la mise en exergue du lien entre les symptômes de la dépression et dysfonctionnement interpersonnel. L'autre keynote particulièrement importante, c'est que on ne parle jamais de concepts, de théories et tout. On reste toujours de manière très pragmatique sur la situation, très concrète, sur les relations interpersonnelles, sur les émotions, mais dans la vie quotidienne. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce qui s'est passé avant-hier? La vie n'est pas faite de concepts abstraits. La vie est faite d'enchaînements, de moments avec des émotions. Donc, durant la phase initiale, je vous le disais précédemment, il y a énormément de tâches à accomplir. Il y a premièrement établir le diagnostic et faire accepter le diagnostic, et pour ça, utiliser les critères du DSM et faites valider les choses de cette manière-là. Donner un rôle de malade, c'est-à-dire le sick role, c'est-à-dire que quand on est malade, bah, on n'est pas coupable de ne pas pouvoir faire telle et telle chose. Si on a 40 de fièvre, on n'est pas coupable de ne pas faire les courses et de ne pas préparer le repas pour recevoir sa belle-famille. Ensuite, c'est également l'exploration de tout le domaine interpersonnel, centré sur les relations actuelles et récentes, et sur les événements de vie qui ont pu arriver, et de changement de rôle qui ont pu arriver juste auparavant ou de manière concomitante avec la dépression. Et puis, c'est l'établissement d'un cercle de proximité. On procède toujours en interrogation socratique, et surtout, on va contractualiser les choses, c'est-à-dire qu'on va dire qu'on va engager le patient
dans une thérapie interpersonnelle, est-ce qu'il est d'accord, on va faire telle et telle chose, et est-ce qu'il est d'accord. On définit à ce moment-là le domaine de dysfonctionnement interpersonnel avec le patient, c'est-à-dire dans quelle voie on va s'orienter, qui est le plus en lien avec la dépression, et on définit la politique de la psychothérapie, le nombre de séances, la date de fin, que faire en cas de séance manquée, etc., etc. Lorsqu'on explore le domaine et le contexte interpersonnel, on évalue, 1. les événements de vie concomitants avec le début de l'épisode dépressif, et parfois c'est totalement évident, vous avez des patients qui viennent en vous disant « mon mari m'a quitté, c'est pas possible, depuis je suis complètement déprimé », ou alors « je ne peux pas suivre mes enfants qui déménagent, qui vont vivre à l'étranger, et c'est insupportable pour moi, ils m'abandonnent, c'est pour ça que je déprime », ou « je ne vais pas bien depuis que je suis au chômage et que j'ai été licencié parce que ma boîte m'a fait faillite », ainsi de suite. À d'autres moments, c'est moins évident et on est obligé de faire une revue systématique des relations et des événements. Donc à ce moment-là, on a une sorte d'interrogatoire systématique général. Quand est-ce que vos symptômes ont débuté? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à ce moment-là ou un petit peu avant? Est-ce qu'il y a quelque chose d'inhabituel qui est survenu? Est-ce qu'un de vos proches est mort? Ou est-ce que c'est la date anniversaire du décès de quelqu'un? Est-ce que vous êtes tombé malade sur une maladie sérieuse, bien sûr, ou est-ce qu'un de vos proches est tombé malade? Est-ce que vous avez des problèmes avec votre conjoint, votre famille, vos amis, au travail? Est-ce que vous avez des problèmes qui vous ennuient depuis longtemps? Est-ce que vous avez été dans une situation où vous deviez rencontrer de nouvelles personnes et ça vous a causé un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie au moment où vous alliez mal? Est-ce que vous avez eu des changements au travail, à la maison, avec votre famille, avec vos amis, dans votre vie sociale, avec vos activités, avec votre santé? Et puis, on explore les relations interpersonnelles. Quelles sont les personnes qui comptent le plus pour vous actuellement? Quelles sont les personnes avec lesquelles vous êtes impliquées sur le plan sentimental, sur le plan des émotions? Alors, bien sûr, les personnes avec lesquelles vous êtes impliquées d'un point de vue très positif, mais également les personnes avec lesquelles vous êtes impliqué d'un point de vue négatif, avec des émotions négatives. Un chef de service au travail qui est odieux et que vous détestez, par exemple. Y a-t-il des personnes que vous ne voyez plus, mais qui comptent énormément pour vous et auxquelles vous pensez tous les jours? Et on explore l'ensemble de ces relations. Mais bien évidemment, on donne des informations sur le contexte interpersonnel, dans le cadre de la conception de la thérapie interpersonnelle. Et puis enfin, on établit un cercle de proximité. Lorsqu'on établit un cercle de proximité, on prend une feuille blanche, on met une croix au centre, et puis on met des cercles concentriques autour, et on dit, bah, écoutez, mentionnez toutes les personnes présentes qui comptent pour vous, qui sont importantes, ici et maintenant, que ce soit dans un aspect positif ou négatif. Vous avez le droit de mettre une personne qui est décédée, auquel vous pensez fortement, pratiquement tous les jours. Vous avez même le droit de mettre un animal domestique. Alors vous voyez que ce cercle de proximité est totalement fictif, bien sûr, et j'ai mis le plus proche, Médor, mon chien, parce que bien évidemment, les animaux sont beaucoup plus fidèles et beaucoup plus fiables que les êtres humains. J'ai mis ensuite Ernestine, ma femme, ma fille Berthe, César, et puis je mets Philomène et Albéric, qui sont des collègues, un ami d'enfance, Théophile, Balthazar, un voyant sympa, Cunégonde, ma mère décédée, à laquelle je pense énormément, mais aussi mon ex-femme Gertrude, qui m'énerve particulièrement tous les débuts de mois en demandant la pension de reversion, mon supérieur odieux, Monsieur Duchemol, et puis vous êtes amené parfois à prendre en charge des patients que vous connaissez depuis un certain temps, et donc vous faites partie de leur cercle de proximité, ils vous mentionnent dans le cercle de proximité, Dr Bottaille, mon psychiatre, par exemple. Pour chaque personne, il va falloir poser des questions sur la relation que l'on a avec la personne. À quelle fréquence vous avez cette relation? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est plusieurs fois par jour? Est-ce que c'est qu'une fois par jour? Est-ce que c'est qu'une fois par semaine? Est-ce que c'est en face-face ou est-ce que c'est au téléphone?
Qu'est-ce que vous aimez dans cette relation? Qu'est-ce que vous n'aimez pas finalement dans cette relation? Et habituellement, quand vous allez bien, cette relation, comment elle agit sur votre moral? Elle vous donne plutôt bon moral ou plutôt elle vous désespère, elle vous donne un mauvais moral, ça vous ennuie un petit peu. Et depuis que vous êtes déprimé, comment cette relation s'est modifiée? Finalement, parce que vous êtes déprimé, vous ne voulez pas ennuyer l'autre et vous ne le voyez plus, ou au contraire, vous l'appelez plus souvent parce qu'il vous remonte le moral, etc., etc. Et donc, on voit comment la maladie influe sur la relation, comment la relation influe sur la maladie. Et puis, on termine dans ce questionnaire sur comment, qu'est-ce que vous aimeriez changer dans cette relation, parce qu'aucune relation n'est parfaite. Par définition, et qu'est-ce que vous aimeriez également conserver dans cette relation? Il faut demander aux gens de donner des arguments et des exemples très précis et très concrets. Et puis on peut rajouter des questionnaires très spécifiques pour chaque domaine. Par exemple, dans le cas des conflits interpersonnels, avez-vous des disputes? Est-ce qu'elles sont explicites? Est-ce qu'elles sont larvées? À quelle fréquence? C'est tous les jours? C'est une fois par semaine? À propos de quoi? L'éducation des enfants ou quelque chose comme ça? Dans quelles circonstances surviennent ces disputes? Vous êtes à la maison, vous êtes ailleurs, vous êtes à l'extérieur, vous êtes en famille. Qu'est-ce que vous ressentez lors de ces disputes? Est-ce que vous exprimez ce que vous ressentez ou vous vous taisez? Pourquoi vous n'exprimez pas vos sentiments lors de ces disputes? Qu'est-ce qui vous aiderait finalement peut-être à mieux vous exprimer à ces moments-là? Qu'est-ce que vous aimeriez comprendre chez l'autre et qu'est-ce que vous aimeriez que l'autre comprenne chez vous finalement? Et qu'est-ce que vous voulez conserver dans cette relation et qu'est-ce que vous voulez modifier? Toujours de manière très concrète et très précise. Dans le cas des changements de rôle, est-ce qu'il y a eu un changement notable dans votre vie? Est-ce que vous avez dû vous adapter à une nouvelle situation? Qu'est-ce que vous avez ressenti de manière positive, de manière négative? Comment, de votre point de vue, les autres ont ressenti ce changement? Quels sont les aspects négatifs, finalement, de ce changement sur vos relations avec les gens autour de vous? Quels sont les aspects positifs aussi qu'il pourrait y avoir dans ce changement? Quels étaient les aspects positifs dans vos relations avant et de quelle manière ils ont été modifiés? Mais quels étaient aussi les aspects négatifs dans la relation? Est-ce qu'il y a eu d'autres changements finalement ou pas? Donc là aussi, on reste toujours de manière très concrète et très pratique. Dans le cas d'un deuil difficile et d'un deuil non résolu, quand est-ce qu'a eu lieu le décès? Parfois c'est 10 ans auparavant. Qu'est-ce que vous avez ressenti lors de ce décès et après? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Expliquez-moi. Est-ce que vous avez pu vous confier à quelqu'un? Est-ce que vous avez pu vous appuyer sur quelqu'un? Qui ça? Est-ce que vous avez pu parler et exprimer vos émotions à quelqu'un? Est-ce que maintenant vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un ou vous ne pouvez pas en parler? Et c'était quoi les aspects positifs avec cette personne chère qui a été soustraite à votre affection? Mais en même temps, les relations ne sont jamais parfaites. Donc il y avait probablement des aspects négatifs dans la relation. C'était quoi les aspects négatifs? Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vous reprochent finalement le décès de cette personne ou votre relation avec cette personne? Et de quelle manière la dépression vient modifier finalement votre rapport par rapport à ce décès? Et enfin, dans le cas de l'isolement ou du déficit, c'est est-ce que vous avez du mal à faire des connaissances, de nouvelles connaissances? Pour quelles raisons? Est-ce que vous allez vers les autres ou vous attendez qu'ils viennent vers vous? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous rencontrez une nouvelle personne? Est-ce que vous évitez les situations pour rencontrer de nouvelles personnes? C'est quoi qui est difficile là-dedans? Est-ce que vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un qui vous épaule dans ces moments-là ou vous êtes tout seul? Si vous rencontrez quelqu'un, comment vous débrouillez pour maintenir le contact avec lui? Est-ce que vous avez un conjoint ou est-ce que vous avez eu un conjoint? Comment vous vous sentez dans les relations amoureuses? C'est peut-être compliqué. Est-ce que vous arrivez à exprimer ce que vous ressentez et de quelle manière, là maintenant que vous êtes déprimé, ça influe sur votre manière de rencontrer les gens? À la fin de la période initiale et de cet ensemble d'inventaires de relations interpersonnelles en lien avec la dépression, on fait ce qu'on appelle une formalisation interpersonnelle. Je vous donne un exemple. Si j'ai bien compris ce que nous avons exploré ensemble,
Vous êtes déprimé depuis environ 4 mois et demi, avec une tristesse importante, une perte de motivation, une fatigue générale, un ralentissement, des difficultés à vous concentrer, à accomplir les tâches qui vous incombent, même des idées de mort et de suicide, et vous faites en plus des reproches. Il semble que ce soit en lien avec des difficultés relationnelles que vous avez avec la maison, avec votre conjoint, et des disputes de plus en plus fréquentes. Et vous avez peur de rompre et de vous séparer de votre conjoint. Mais en même temps, vous me dites aussi que vous avez des difficultés de travail avec une collègue de travail et votre chef de service. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Si vous êtes d'accord avec ce constat, nous sommes donc dans le cadre d'un conflit, de conflits interpersonnels qui vous minent et qui vous dépriment, ou enfin qui sont en relation avec votre dépression. De votre point de vue, quel est le conflit le plus important, le plus en lien avec votre dépression, votre mauvais moral, etc., sur lequel il va falloir que nous travaillons ensemble, dans le cadre de cette thérapie qui durera 12 séances, etc., etc. Voilà à peu près comment nous formalisons. Bien évidemment, c'est le patient qui choisit le domaine, c'est jamais le thérapeute. Donc tout l'art du thérapeute est d'amener le patient à choisir le domaine pour lequel le thérapeute pense que c'est le véritable domaine qui est en jeu. Vous le verrez. Durant la phase intermédiaire, donc au terme de la phase initiale, on aborde la phase intermédiaire, et à ce moment, on discute de ce que le patient veut changer, bien évidemment, des options de changement, et surtout, on évalue un petit peu les tentatives antérieures. Ça ne sert à rien de refaire ce que le patient a déjà tenté et qui a échoué. On analyse toujours de manière très concrète les difficultés. Et le but principal, c'est toujours de clarifier les émotions, les affects, d'analyser la communication, de voir comment on peut aider les patients à prendre des décisions. Éventuellement, on peut interpréter, éventuellement, on peut faire des jeux de rôle. Et on demande aux patients de jouer ces options aussi en dehors de la thérapie, entre deux séances, sous forme d'expérimentation. Ben, d'ici la prochaine fois, vous pourriez essayer de faire ça et vous allez me dire la prochaine fois comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez ressenti, si ça a été efficace, pas efficace. Toujours à chaque séance, durant la phase intermédiaire, on évalue la symptomatologie de la semaine précédente et on la quantifie. Alors on utilise une échelle visuelle de santé, je vais vous en parler. Et lorsque le patient évoque son humeur, on cherche un lien avec un événement relationnel qui serait survenu dans la semaine. Et si à l'inverse, le patient arrive et en évoquant un événement, on l'interroge sur son humeur. Ça permet toujours de faire le lien entre la symptomatologie et les problématiques relationnelles. Qu'est-ce qui s'est passé depuis notre dernier entretien? Comment vous êtes-vous senti? Quelle était votre morale? Côté votre humeur. La cotation de l'humeur, c'est une échelle visuelle de santé, c'est quasiment systématique. À combien vous évaluez votre morale aujourd'hui? 0, c'est déprimé le plus profondément possible. Et 10, je suis en pleine forme, en pleine santé. Pourquoi pas 10, avec un très bon moral, pas de dépression? Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois dans votre vie pour que vous n'ayez pas un très bon moral? Ensuite, les techniques que nous employons en thérapie interpersonnelle, c'est simple. C'est toujours avec cette interrogation, le lien entre les symptômes et les problèmes interpersonnels, bien sûr. C'est surtout faire verbaliser les gens sur leurs émotions, sur leurs affects, et clarifier, leur préciser quel est ce type d'émotion, quel est ce type d'affect, qu'est-ce qu'ils ressentent dans telle situation ou dans telle situation. On a bien sûr la possibilité d'interpréter. Ensuite, on les aide, alors là ça se rapproche des thérapies cognitives ou comportementales, sur la communication relationnelle, c'est-à-dire que quelque part, on va les aider sur les communications, la manière de communiquer de manière non violente. C'est par exemple ce B2, c'est quels sont mes sentiments, quels sont mes besoins et comment je formule mes demandes. Mais lorsque l'autre me parle, lorsqu'il m'évoque finalement d'une certaine manière ses demandes, ça correspond à quoi comme besoin et à quoi comme émotion, comme sentiment sous-jacent. Donc il va falloir comprendre un petit peu ça. C'est aussi en communication non violente, utiliser des communications type pacte de non-agression, description de la situation de manière concrète, description des propres émotions que l'on ressent et proposition de discussion et trouver une solution gagnant-gagnant. C'est aussi l'analyse des décisions relationnelles. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un énorme conflit au travail, je démissionne, j'envoie ma lettre de démission.
Je claque la porte, je me dispute, je demande une clarification. Quels sont les avantages et les inconvénients de chacune des décisions que je peux proposer? Et puis en thérapie interpersonnelle, on utilise énormément le jeu de rôle, indirect, direct, où le thérapeute joue éventuellement le rôle de l'interlocuteur ou joue le rôle du patient, etc. Se met en miroir, permet de modéliser un petit peu les choses. Et puis on demande de l'expérimentation in vivo, la mise en pratique au décours de chacune des séances. C'est toujours très concret, très pragmatique, c'est toujours sur la vie quotidienne, sur les événements de la vie quotidienne, et c'est d'une banalité presque, je dirais, affligeante. Donc, je vais vous brosser très rapidement les quatre domaines et les objectifs. Dans le cadre d'un deuil non résolu, ben, la personne est décédée, ça reste actualisé, on n'arrive pas à s'en remettre, on a gardé la maison telle quelle, ses affaires telles quelles, dans la salle de bain aussi, et ça fait pourtant 3 ans par exemple. Donc il va falloir faciliter le processus de deuil, aider le patient à retrouver des intérêts, à développer d'autres relations pour mieux supporter la perte de l'être cher, bien sûr. Il va falloir désidéaliser la vie avant le deuil et la relation avec le défunt avant le deuil et positiver la vie depuis. Donc il faut faire revivre toute la période de deuil et on s'applique à faire revivre toute la période de deuil, l'agonie éventuelle, le décès, les démarches administratives, l'enterrement, les relations familiales, les conflits avec la famille, les soutiens qu'on a pu avoir à ce moment-là ou qu'on n'a pas eu. Et puis on désidéalise la relation antérieure. Le défunt est toujours paré de toutes les qualités possibles et imaginables, bien évidemment. Mais même l'être le plus parfait, la relation n'est pas toujours satisfaisante à 100%. Donc l'objectif, c'est de travailler plutôt sur la relation. Et puis on peut positiver la vie sans le défunt, rechercher de nouveaux soutiens. Moi, je me rappelle toujours de cette phrase excellente, finalement, de France Gall au sujet du décès de Michel Berger, qui, je vous rappelle, était quand même le fils de Jean Berger, célèbre néphrologue interniste qui a rédigé le traité et qui a dit: j'ai eu l'immense chance et bonheur de le connaître et de vivre 19 ans avec lui. Voilà, ce sont des choses que l'on peut évoquer dans ces cas-là. Dans le cadre des conflits interpersonnels, qui est une tarte à la crème finalement de la thérapie interpersonnelle, il faut identifier le conflit, il faut évaluer le niveau du conflit. Je vais détailler un petit peu, modifier les attentes et modifier les défauts de communication pour permettre une résolution satisfaisante. Donc, par définition, dans ce cadre-là, on choisit le conflit qui est le plus en lien avec la dépression ou la relation la plus importante qui est éventuellement conflictuelle. Et on évalue le niveau de conflit. Il y a 3 niveaux de conflit. Il y a un niveau de renégociation, chacun a des attentes un petit peu différentes et on se dispute régulièrement pour obtenir satisfaction. Ou alors il y a l'impasse, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a rompu la communication, ou c'est la dissolution. Alors, la dissolution, c'est on est ensemble, mais on ne se supporte plus, et en fait, on n'a plus rien à faire ensemble, on cohabite. L'impasse, c'est pas tout à fait la même chose. Il y en a un qui a rompu la communication. Donc, quand on travaille sur l'impasse, soit on va s'orienter vers la renégociation, soit on va s'orienter vers la dissolution. On s'appuie toujours, lorsqu'on travaille dans les conflits, sur les dernières disputes à insatisfaction. Donc ça change au fur et à mesure de la thérapie, au fur et à mesure de chacune des disputes. Et on évalue les attentes émotionnelles et on clarifie toutes les émotions dans les disputes avec le patient ou la patiente. Et on modifie les processus de communication, c'est ce que je vous disais, SEBE2 ou PAFEC, sur les communications non violentes. Et on utilise les communications non violentes et on améliore ces communications. Dans le cadre des transitions de rôle, les transitions de rôle, c'est quoi? Finalement, il y a eu un changement, il y a eu un événement, il y a eu un changement de rôle, et automatiquement, ben, auparavant, avant l'événement, c'était très bien, et depuis l'événement, on est complètement déprimé. Donc, il va falloir aider à faire le deuil du rôle antérieur, faire exprimer finalement les insatisfactions du rôle antérieur qui n'était pas parfait et souligner les intérêts potentiels d'un nouveau rôle et développer de nouvelles attitudes et trouver de nouvelles ressources dans le nouveau rôle, puisque les gens sont plongés dans ce nouveau rôle. Alors, les événements de vie, ils sont multiples.
On pense immédiatement au licenciement, au changement d'emploi, à la retraite, à la rupture conjugale, au départ des enfants. Mais ça peut être aussi des événements avec une valence positive, le mariage, la promotion professionnelle. Et puis de nouveau aussi des événements intercurrents, une maladie ou un accident physique. Donc, dans ce cas-là, on s'attache à quoi? On s'attache à examiner quels étaient les aspects positifs de l'ancien rôle et quels sont les aspects négatifs du nouveau rôle. Mais l'ancien rôle possédait aussi des éléments négatifs, malgré tout. Et le nouveau rôle possède éventuellement des éléments positifs, même si on a l'impression que c'est un nouveau rôle subi et qu'il n'y a rien de bon qui peut en sortir. Dans le cas du déficit, c'est un petit peu plus compliqué. En général, c'est un domaine qu'on choisit très peu en thérapie interpersonnelle parce qu'il va falloir réduire l'isolement social du patient, l'encourager à développer de nouvelles relations, les initier, les maintenir. Donc souvent, on prévoit des durées beaucoup plus longues, c'est-à-dire de 20 ou 24 séances, dans le cadre de l'isolement social et l'isolement relationnel. En général, on s'attache à établir un petit peu et analyser les débuts de cet isolement, clarifier bien sûr les émotions liées aux relations et notamment amoureuses, comment on peut initier de nouvelles relations, comment on peut les maintenir. Et souvent, on se sert dans ce cas-là de la relation thérapeutique en elle-même pour prouver aux gens qu'ils sont capables d'avoir une relation et de suivre cette relation.